pourquoi faut-il célébrer l'anniversaire de son assassinat? Il y a 15 ans, au cours d'une épidémie qui a presque détruit Dunwall, un tueur à gages s'est introduit dans le palais où je suis né et a poignardé ma mère en plein cœur. Ensuite, les commanditaires de cet assassinat ont voulu se servir de moi pour prendre le pouvoir. Ils étaient à deux doigts de réussir. Mais mon père, Corvo Atano, les a éliminés et a déjoué leur conspiration. Après toutes ces années, ma mère serait-elle fière de l'impératrice que je suis? Aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle crise. Un monstre, que les journaux appellent le tueur de la couronne, s'en prend à mes ennemis et fait porter les soupçons sur mon père et moi. J'hésite entre prendre le premier navire en partance pour le bout du monde ou faire exécuter tous ceux qui m'entourent. Attention, Majesté. Vivement que toutes ces cérémonies soient terminées. Votre chevalière, là, vous êtes prête. Merci, Alexis. Ouvrez les portes. Saluez tous Sa Majesté impériale, Émilie Caldwin. Loyaux sujets. Nous traversons une période difficile, mais aujourd'hui nous honorons ma mère, Feu Jessamine Caldwin. Que sa mémoire demeure à travers les siècles. Émilie. Tu as l'air fatiguée, père. Chaque année, j'espère que l'anniversaire de la mort de Jessamine sera moins dur, mais ce n'est jamais le cas. J'aimerais que mère soit encore l'impératrice. Je ne suis pas sûre d'être faite pour ça. Tu as encore à apprendre. Ne t'occupe pas des agitateurs. Et on finira par avoir ce tueur de la couronne. Tout le monde croit que c'est toi. Que ces assassinats sont un effort maladroit pour tenter de me protéger. Non. Quelqu'un essaie de salir notre réputation en éliminant nos ennemis. J'aimerais tellement m'enfuir loin de tout ça. Tu le fais, parfois. Tu crois que je ne suis pas au courant de tes escapades nocturnes sur les toits? Courage. La cérémonie sera bientôt finie. Protecteur royal et père. J'aurais dû interdire ce genre de cumul des mandats il y a bien longtemps. Votre Majesté, avant de commencer les observances du jour, nous accueillons un visiteur imprévu, le duc de Cerkonos. Ramsay dit que le duc a apporté quelques cadeaux. Tiens, tiens, intéressant. Monseigneur Lucas Abel, duc de Cerkonos. Des soldats mécaniques? Incroyable. Qu'est-ce qui se passe, Ramsay? Je n'ai jamais autorisé ça. Votre Majesté impériale et protecteur royal Corvo Atano, mon cher compatriote, Cerkonos vous présente ses condoléances en ce jour douloureux. Et ses quelques présents pour vous rappeler notre nation, l'étoile qui s'élève à l'horizon méridional. Merci, Monseigneur. Ne me remerciez pas, car le meilleur est encore à venir, la famille. Voici la sœur disparue de Jessamine Caldwin, votre impératrice légitime, Delilah Caldwin. Impossible. Ma mère avait une sœur? Ma très chère nièce, bonjour. C'est un mensonge. Mon père est feu l'empereur Yuorn Jacob Caldwin. Jessamine était ma sœur cadette. Lorsqu'elle nous a quittés, je n'étais pas prête à te révéler mon existence. Et j'ai été forcée de quitter Dunwall. Mais me revoilà enfin. S'il est vrai que vous êtes la sœur de ma mère, restez aussi longtemps qu'il vous plaira. Pauvre petit moineau, déjà marqué par les épreuves. Je viens te soulager du poids de la couronne. Je suis enfin en mesure d'honorer la promesse faite à mon père en secret, il y a si longtemps. Attention à ce que vous dites. Émilie Caldwin est la fille de l'impératrice Jessamine Caldwin. Protecteur royal, comme c'est naïf d'imaginer que tes crimes resteront impunis. Les murs de mon palais jusqu'alors t'ont protégé, mais c'est terminé. Écoutez-moi tous.
Votre impératrice légitime est de retour. Saluez tous l'impératrice Delilah, première du nom. Arrêtez Emily Caldwin et son père pour les meurtres perpétrés par le tueur de la couronne. Quoi ? Chère petite, avec le temps, tu finiras par m'aimer. Et même par voir en moi cette mère que tu as perdue. Mais en attendant, je vais te protéger de toi-même. Je vais enfermer Dame Emily dans ses appartements. Elle ira au bagne de Cambridge où elle attendra son procès. Mon père a tout perdu quand j'étais gamin. C'est pour ça que je porte cet uniforme et que j'envoie des petits jeunes patrouiller dans la roseraie au lieu de picoler avec les membres du club de tir. Captain Ramsay, j'ai entendu des cris. Impératrice Emily, que se passe-t-il ? Ce sera tout, Capitaine Mayhew. Non ! La fameuse épée du protecteur royal, hein ? Et qui se plie aussi facilement. Compte au sein de la garde qu'en cas d'urgence, il y aurait dans vos appartements une chambre forte contenant assez d'or pour acheter une île de belle taille. Et on dit que cet anneau est l'une des deux seules clés qui existent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alexis, la salle du trône. Père ! Je ne peux rien faire. Je dois sortir d'ici. Ça va lui prendre longtemps, Capitaine Ramsay ? Un peu de patience, Caporal Dial. Ces salopards travaillent pour Ramsay et le duc de Cerconos. Il a tous ses quartiers de noblesse. Sa famille est réputée et elle reviendra bientôt en grâce à Dunwall. Maintenant qu'il a aidé l'impératrice légitime à monter sur le trône, vous feriez bien de vous en souvenir. Je cachais des grenouilles dans cette vieille pendule autrefois, pour faire tourner les serviteurs en bourrique. Dire que je trouvais ma vie compliquée à cette époque. Devrais-je le faire tourner et choisir un endroit où me cacher ? Je dois réfléchir. Combien de fois ai-je contemplé cette vue ? C'est comme si tout avait changé soudainement. Delilah est une espèce de sorcière. Comment est-ce possible ? Dame Emily, vous... Où est le protecteur royal ? Il y a eu un coup d'état. Mon père est emprisonné. Il faut que vous quittiez la tour, par la salle sécurisée. Tout à l'heure, il y avait un capitaine sur les quais qui cherchait le protecteur royal. Trouvez-la, et quittez Dunwall. Alexis, je suis désolée. Adieu. Impossible de passer sans ma chevalière. C'est Ramsay qui l'a. Il me faut ma chevalière.
C'est bientôt le jour de la lessive. Je supporte plus ma puanteur. Maintenant que nous tenons la salle du trône, nous aurons tout le temps nécessaire. Restez ici, et retenez ceux qui voudraient passer. Je reviendrai quand j'aurai fouillé les appartements royaux, si tant est que je ne reste pas coincé dans cette saloperie de salle sécurisée. Nous vous couvrirons si les hommes du duc s'avisent de revenir. C'est excitant. Tout change. Oui, l'ordre naturel des choses reprend ses droits. Vous saviez que les Ramsay ont un jour reçu le roi et la reine de Morlaix chez eux? Quand j'étais enfant, je jouais avec les Bunting et les Boyle. La crème de la haute société. Et bientôt, vous retrouverez votre rang, capitaine. La famille de Ramsay est tombée en disgrâce, ce qu'il n'a jamais digéré. En revanche, je ne vois pas en quoi c'est de ma faute. Quoi qu'il en soit, Ramsay est bien trop dangereux pour qu'on le laisse agir à sa guise. Allons voir cette pupille. Ouais. Je vais jeter un œil par là-bas. J'aurais juré avoir vu quelqu'un.